Adu fela gogo mi vo mi no mujo. Voilà le Saint-Esprit. Et que le don l'Iyama qui agit dans ce moment-là. Et que le don la offre qui est dans ta maison. Le haut dans ton service. Le washim dans ton marché. Le moto toi dis dans la rue. Le vumelo dans la voiture. L'avion melo dans l'avion. Le toi dis vumelo et dans le bateau. Le keke kukumelo et sur le vélo. Toto melo sur la moto. Fisia finelé partout tu es. Bobo kokuya le Saint-Esprit est là-bas. Okwenye fia la nigba. Anigbadia wokwe nya ngosao katato la chepe wokwe nya abafia kale tolo ye owa ye owa elo lo lo. Yahweh Elolo. Éternel, tu es grand. Et ta gagné. Tu es couvert de grandeur. Et tu mousse blaléji. Et tu te sens avec la puissance. Wamanuva kodemiaji. Ta grâce est répandue sur nous. Do maudo la odo da oyogbe do kola tantan. Tu as envoyé tes anges qui remplissent le temple. Ta gloire est descendue sur tes enfants dans leur maison. Partout se trouve dans le monde entier. Et gloire et louange sont à toi. Tes œuvres continueront dans notre vie. Et grâce, louange et élévation sont à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Prenons à présent notre Bible. Et de Salomon tabla et niveau à Shekeliam. Et retournons dans Psaume 89. Salomon tabla et niveau à Shekeliam. Psaume 89. Et nous dit à la. Et ce matin. Miakle pipi bla à ton lien. Nous allons lire le 50e verset. Nyalak blabana. La parole déclare. Apeto afika wo amenveve tchato si uji neta wo ngutefo dona David lale. La parole dit. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Praise the Lord. Nyala le bok blombena. La parole dit Yehovah. Éternel. Fikai waman veve tchatoale. Où est passée ta première bonté? Esidine taonu tefo wodo. David. À laquelle tu juras ta fidélité à David. Et la grâce ou la bonté de l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons comprendre correctement ces choses. C'est jusqu'à quand l'Éternel arrêtera de s'irriter. Va céder yekaye. C'est jusqu'à quand? Yehoanak blober. L'Éternel dira. Enyonenema. Ça suffit ainsi. Va céder sim. Mauviaou. Tualouvojim. Juste jusqu'au moment où les enfants de Dieu se repentent. Yamashiam. D'Achille. Et que tout le monde abandonne son cœur complètement à l'Éternel, au Seigneur. Et
Et tout le monde renonce aux habitudes de ce monde. Et qui se consacre dans l'œuvre de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je t'en prie. Il y a un temps qui est révolu maintenant. Tournez-vous vers l'Éternel. Que nous donnons complètement notre cœur. Et que nous marchions dans la fidélité en toutes choses. Et si l'Éternel a résolu quelque chose, c'est qu'il a résolu. L'Éternel ne cherche pas de mal à qui que ce soit. Mais c'est nous-mêmes qui attirons le mal sur nos personnes. À travers la colère de l'Éternel. Mais ce matin, quand tu vas te mettre debout, dis-lui à l'Éternel, Seigneur, je suis prêt maintenant. Pour arrêter tout sort de perversité. Que je les rejette complètement. Ma vie. Qu'elle devienne une gloire pour toi. Ma conduite. Mais pas que je pose. Mes propos. Mes actions. Te réjurons, toi éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes maintenant dans ce moment-là. Que chacun comprenne correctement ceci. Et que tu répandes complètement. Ne dis pas que je me suis repenti aujourd'hui et demain tu vas faire encore autre chose. Répands-toi complètement. Pour que le dessein de Dieu soit accompli pour toi. Mets-toi debout. Ferme tes yeux, élève tes saintes mains. Et ton plan va le dire immédiatement. Seigneur, me voici. Seigneur, j'accepte me repentir. J'accepte marcher dans la fidélité. En toutes choses. Que je ressemble à Jésus-Christ. En toutes choses. Dans mes paroles. Dans mes pas que je pose. Dans mes conduites. Dans toutes mes œuvres. Que je ressemble à Jésus-Christ. Père. Je comprends maintenant ce matin. Que ma vie. A de la valeur à toi. Ma vie. Elle est vraiment très chère pour toi. Mais je suis en train de détruire ma propre vie. Mes actions me détruisent. Père, je suis d'accord maintenant. De me repentir. Ma soeur, continue pas de le dire. Que tu repens complètement. La vraie repentance. Attirera la grandeur de l'Éternel dans ta vie. La vraie repentance attirera la puissance de l'Éternel dans ta vie. Alors dis-le lui. Je me repens. Seigneur, je me repens complètement maintenant. Et pardonne-moi mes péchés. Afin que, comme tu as juré à David, que cela soit manifeste aussi dans ma vie. Que cela s'accomplisse pour moi complètement. Que le dessein de Dieu s'accomplisse. Et que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Que les œuvres de l'Éternel se manifestent maintenant. Père. Père. Nous voici. Pose ta main sur nous. Pour que tes œuvres s'accomplissent pour nous. Que tes actions s'accomplissent dans notre vie. Satan ne va plus nous séduire. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, continue pas le déclarer. Satan. Tes œuvres sont saccagées complètement. Aujourd'hui, les œuvres de l'Éternel ont commencé dans ta vie. Le mensonge
s'est arrêté. Et la perversité est arrêtée. L'adultère est arrêté. Le vol est arrêté. Le mensonge et toutes sortes de péchés sont arrêtés. Toutes sortes de mal. Sorti de ta vie aujourd'hui. À partir de ce jour, tu es une nouvelle créature. Éternel. Tes enfants sont devenus une nouvelle créature aujourd'hui. Éternel. Tes enfants ne seront plus le vieil homme qu'ils étaient. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Afin que ton décès s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père. Que cela s'accomplisse. Que cela se manifeste. Afin que la mauvaise action devienne de bonnes choses. Le mensonge devenir la vérité. La perversité. Deviendront maintenant les fidélités. Les enfants de Dieu poseront maintenant de bons bras. Nous voici. Les actions s'accomplissent pour nous. Le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Là, non. De la yesie, oh la no, aye, de la yesie, chomu o no sinela, be ma wo wo, la la no, oh, pata yesie, chomu o no sinela, be ma wo wo, la la no, wo la la no, wo la. La no, nyadala yesie, wo la no, aye, fata yesie, chamu wa no sinela, be ma wa wo la no, oh, fata yesie, chamu wa no sinela, be ma wa wo la no, yeji nagbene, tu peux le dire, bana fofo la bana. Dieu au Père, me voici. Je te remercie. Je ferai ta volonté. Je ferai ta volonté. Spirituellement, charnellement, dans mon entreprise, dans ma maison, dans le marché, dans la rue, que tu fasses la volonté du Père en toutes choses. Père, merci à toi. Parce que ta volonté est entrée dans ma vie. Et ta foi est entrée dans ma vie. Aujourd'hui, la chose est renouvelée dans ma vie complètement. Parce qu'on ne retrouvera plus dans la perversité. On ne retrouvera plus dans le mensonge. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Les dignes de louange. Les Jésus Christ au nom de Jésus Christ. Oh, faut faire. Ainsi, ma yola, tu m'as répondu. Tu m'as répondu aujourd'hui. Les dignes de gloire. Nous prenons. Pojito. La paix dans la main. Nous prenons. Pojito. Nous gagnons. Nous prenons. Pojito. La paix dans la main. Et là, mes potos, oh yo yo lo, alléluia, nous fagnons, pochicho, la paix dans la main, nous fagnons, pochicho, à ton gain, oh anamlo, nous fagnons, pochicho, la paix dans la main, aïe, et là, mes potos, oh yo yo, alléluia, nous fagnons, pochicho, la paix dans la main.
lo fanye bo jijo no gai awo wana lo lo fanye bo jijo la pe to la me aye ena ma podo oyoyo ma wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ama si ama da jihanelo ma wenyo ma wunyalo ma si ama na kafilo ma wenyo ma wunyalo ama wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ma wenyo ma wunyalo ma si ama na da penela ma wenyo ma wunyalo ama si ama na kafilo ma wenyo ma wunyalo ama si ama na kafilo ma wenyo ma wunyalo Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Dieu d'amour. Dieu de grâce. Nous t'avons invoqué ce matin et tu nous as répondu. Ta grandeur est manifeste pour nous. Et tes œuvres ont continué dans notre vie. Les perversités sont sorties de notre vie. Les choses viles sont sorties de notre vie. Les enfants sont sortis de notre vie. L'adultère est sorti de notre vie. Les fous sont sortis de notre vie. Une sorte de perversité est sortie de notre vie. Que nous fassions la volonté de l'Éternel. La volonté que le Père a préétablie avant que le monde ne commence. Que cela soit manifeste. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. D'éternité en éternité. Tu es digne de recevoir des grâces. Tu es digne d'honneur. C'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Baba Dokyo. De ma utelo a dowo deji hallelujah popodokyo a de ma ute a dowo deji lo a dowo deji a dowo deji lo a dowo deji ye hallelujah popodokyo o de ma utelo a dowo deji lo a dowo deji a dowo deji lo a dowo deji ye hallelujah popodokyo o de ma utelo a dowo deji awo hallelujah popodokyo o de ma utela a dowo deji o hallelujah popodokyo o de ma utela a dowo deji lo a dowo deji a dowo deji lo a dowo deji ye hallelujah popodokyo o de ma utelo a dowo deji lo a dowo deji a dowo deji lo a dowo deji ye hallelujah popodokyo o de ma utelo a dowo deji lo praise the Lord. Nous nous préparons pour écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux, nous allons chanter ce cantique. Enya, no se, enya, no se, Aye, kafo, amawo, sena, miahira.
Enya ano se enyo ona kafo emawo sina ya hayala enya ano se enyo ona oh enya no se enyo ona Enya ano se enyona ao akafo mahawo sina yayalo enya ano se enyona akafo mahawo sina yayalo enya no se enyo ona fofoi ben enya no se nyona mi fafa vrai effectivement tu sais ce qui est bon pour nous l'enke kestia chi en ce jour to nyada j'ai envoyé ta parole nyala bakpeji de chiade la parole a brisé toute sorte le cœur de Pierre a saccagé toutes les œuvres de Satan afin que l'œuvre de Dieu entre dans la vie des enfants de Dieu pour que la volonté de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Père, nous te remercions. Aujourd'hui, tu as permis à ce que nous comprenions la parole. Nous avons acquis la science dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Fata Yesu Awonu wana wololo lolonto amen awo amen Fata Yesu odowo wololo amen Fata Yesu Onu wana wololo lolonto amen awo amen Fata Yesu odowo wololo Praise the Lord. Agbe. Voilà. La vie amère. Bien aimé en Christ. Dieu nous conduit dans ce message très important. Et nous tous nous le voyons déjà. Que Dieu amène déjà toutes choses à la fin. C'est pour cela qu'il a envoyé ses anges. Il a dit, allez parcourir le monde entier. Et examiner tout le genre humain. Ce que vous trouverez qui pleure. Ils sont dans la douleur. Et qui poussent des gémissements.
À cause de toutes les mauvaises actions qui se passent dans le monde, marque-leur d'un signe pour moi. Afin que quand la perdition viendra, cela ne le touchera pas. Il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère. Faites-la boire à tout le monde. Après l'avoir bu, ils s'enivreront. Et ils marcheront dans le désordre. En ayant de mauvaises pensées. En posant de mauvais pas. En s'énervant. En tenant de mauvais propos. Alors, quand viendra la ruine, cela s'abattra sur eux. Mais ceux que vous aurez marqués, quand eux l'auront bu, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de bons pas. Ils se multiplieront et s'élargiront. Quand viendra la perdition, cela ne les touchera pas. C'est pour cela que nous demandons chaque fois. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Sais-tu? Le jour où tu as bu cette coupe de colère, toi-même tu ne le sais pas. Personne ne le sait. Tu ne peux pas le savoir. Mais, examine bien ta vie. Les choses qui se passent dans ta vie, c'est ce qui démontrera de quel côté que tu te trouves. Mon frère, ma soeur, je te supplie, n'écoute pas seulement en l'air ces paroles. Il faut bien prêter oreille à cela. Jésus-Christ a dit, ce qui arriva au temps de Noé avant le déluge, c'est ce qui arrivera aussi à notre moment. Les gens déchus ont épousé les gens humains. Noé a prêché la parole de Dieu 120 ans durant. Aucun d'eux ne s'est repenti. Cela se passe encore aujourd'hui. Frères et sœurs, tous sont détruits. 8 personnes, Noé avec sa femme, ses 3 fils et leur femme, ce sont eux qui ont été sauvés. Frères et sœurs, nous allons quelque part. Jésus a continué par dire, ce qui arriva au temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, c'est ainsi que ce sera aussi à notre temps. Cela se passe exactement. Dans tous les pays dans le monde, les hommes s'épousent entre eux, les femmes également. Frères et sœurs, les pays votent des lois. Permettez à ce que les femmes s'épousent entre elles et que les hommes s'épousent entre eux. Ils ont oublié l'Éternel. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose qui se passe. À certains endroits, les femmes font ablation de leur sexe et portent maintenant le sexe masculin. Les hommes font ablation de leur sexe masculin et prennent le sexe féminin. Mon frère, ma sœur, tout ce que Jésus a dit, il a dit, même pas un seul iota ne sera ôté. Toutes ces choses-là se passent effectivement. Ce qui démontre que bientôt le monde prendra fin. Que tu es d'accord ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Ce ne sont pas les hommes qui seront d'accord avant que l'Éternel agisse. Mon frère, ma soeur, il faut bien observer ceci. C'est pour cela que nous avons vu que l'Éternel était devant les enfants d'Israël. Il a fait sortir de l'Égypte.
Et il leur a dit qu'ils vont passer par le territoire des enfants de Saül. Hey, non, vieux. Frères et sœurs. Gakela. Mais. Et si Odo et Diadjila. Arrivé à la frontière. Ils ont dit aux enfants de Saül que nous allons emprunter votre voie royale. Les enfants de Saül ont dit aux enfants d'Israël, si vous, votre pied foule notre terre, nous allons vous exterminer. Jusqu'à ce qu'ils nous voient. Les voilà bien armés et marchaient en venant. L'Éternel s'est levé devant les enfants d'Israël. Il est parti derrière eux. Il leur a dit, suivez-moi, nous allons partir. Je vais vous faire passer par un autre chemin. Frères et sœurs, plan B. Le plan B. C'est une grande affaire. Prépare-toi. Ce n'est pas une petite chose. Frères et sœurs, nous demandons. Alors, si la chose se présente ainsi, les enfants de Saül ont refusé à ce que les enfants d'Israël passent par leur territoire. Pourquoi maintenant les enfants de Saül occupent la terre des enfants d'Israël? Jusqu'à Hérode. Hérode est devenu roi et assis sur le trône de David. Le trône sur lequel viendra s'asseoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, quelque chose vient. Observe bien cela. C'est pour cela que l'Éternel a dit à Isaac, la grossesse de Rebecca, c'est deux nations qui sont dans son ventre. Un sera plus fort que l'autre. Mais et le grand servira le petit. Esaü. Esaü. Jacob. Et Jacob. Non, frères et sœurs. Voilà vraiment c'est quelque chose. Nous en cela nous continuons. Mais que de Abraham. Nous avons découvert Abraham. Mouti. Oui. L'Éternel a dit à Abraham, la terre qui est la terre cananéenne, je te la donnerai comme ton héritage. Abraham a dit à l'Éternel, en quoi est-ce que je reconnaîtrai cela? Que j'hériterai cette terre. Il lui a dit, c'est bon. Amène-moi une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Et un bélier de 3 ans. Ce qui représente les 3 générations. La génération de Sem. La génération de Cham. Et la génération de Japhet. Ces 3 générations. C'est en cela que nous tous nous sommes. Et Abraham a amené les bêtes et les a divisées en deux. Les a présentées devant Dieu. Peu de temps après, les oiseaux de proie sont venus et s'abattre sur les victimes pour les emporter. L'Éternel n'a pas bronché. C'est devant l'Éternel des armées même que la chose se passe. Il n'a rien dit. Abraham s'est levé. Il a marché sur les eaux de proie et les a chassés. Frères et sœurs, c'est ici que nous voyons que l'alliance que l'Éternel a établie avec Abraham, les oiseaux de proie font partie. Frères et sœurs, il faut bien examiner ta personne. C'est pour cela que nous voyons que c'est la méconnaissance et nanabena vivité dona. C'est ce qui fait que les ténèbres couvrent la vie de l'homme.
Ce qui permet aux oiseaux de proie de s'abattre sur la personne et détruire ainsi la vie de la personne. Je t'en prie, n'oublie pas ces paroles. C'est pour cela que nous voyons que quand tu introduis ta main dans le feu, le feu va te brûler. Et rien ne pourra arrêter la douleur. Jusqu'à ce que la plaie ne se cicatrise. Il n'y a pas une prière de malédiction à faire pour ôter cela. Parce que c'est toi même qui a introduit la main dans le feu. C'est pour cela que nous voyons que cette loi, elle est et cela agit dans les contrées de notre cerveau. C'est pour cela nous voyons au moins 6 points en cela. Mais nous sommes que sur 2 points. Premièrement, la haine. Deuxième, l'irritation, la colère. Hey. Bien-aimé en Christ, ces paroles sont des paroles très importantes. Ce n'est pas facile. Pour cela que nous voyons que Jésus-Christ nous a dit dans Luc 16, verset 9, moi aussi je vous le dis, de faites-vous des amis avec des richesses injustes de ce monde. Quand elles viendront à passer, qu'on vous reçoive dans le tabernacle éternel. Hey, frères et sœurs, c'est en cela que nous sommes entrés. Et nous avons vu maintenant l'homme et la femme au foyer. Écoute, moi bien, mon frère, ma soeur, voilà ces paroles importantes. Fais-toi de ta femme, ton mari et ton ami. Mon frère, ma soeur, je t'en prie que cela te soit clair, que ton mari ou bien ta femme, elle ou il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas ou bien elle ne t'appartient pas. Non, il appartient au Père. C'est pour cela qu'on te dit de tisser une relation d'amitié avec lui ou bien avec elle, afin que tu sèmes la semence dans sa vie. Après avoir semé la semence, c'est ce qu'on utilisera pour te donner là où tu occuperas dans le royaume. Frères et sœurs, quand, en continuant, je ne fais que te rappeler des choses. Nous le voyons dans le livre de Matthieu. Le chapitre 13 nous dit, il existe 4 sortes de terres. La terre le long du chemin. La terre pierreuse. Et la terre épineuse. Et la bonne terre. En y entrant, nous voyons que il y a la femme le long du chemin. Et il y a aussi l'homme le long du chemin. Il y a la femme, la terre qui représente la terre pierreuse. Et l'homme, la terre pierreuse. Et la femme avec la terre épineuse. Et l'homme qui est la terre épineuse. Et la femme qui est la bonne terre. Et l'homme qui est également la bonne terre. Et mon frère, ma soeur, quand tu vas faire le choix, il faut bien examiner cela. Je te l'avais dit. Au début, Dieu a placé Adam et Ève dans le paradis. Dans le jardin d'Éden. Là où a commencé le mariage.
Voilà la joie, la bénédiction, l'avancement. Ce n'est pas une petite chose. Mais la loi, l'ordonnance que l'Éternel leur a prescrite, de ne pas manger du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du mal et du bien. Parce que quand ils l'auront mangé, ils mourront. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Ils ont mangé ce fruit. Et pour cela, le roi de le paradis sur l'âme. L'Éternel les a fait sortir du paradis. Il les a placés sur la terre maudite. Cinq malédictions. Et elles sont des mains. C'est ce qui se trouve dans le mariage. Mon frère, ma soeur. Je t'en prie, ceci n'est pas une petite affaire. Et écoute ou bien comprends ceci et médite là-dessus. Paul a dit, si tu te maries, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, c'est encore mieux. Frères et sœurs, tous ceux qui seront bien dans leur mariage, c'est ceux-là qui appliqueront les desseins de Dieu. Et faire ou bien agir correctement envers sa femme ou bien envers son mari. Et semer de bonnes semences dans leur vie. Tu deviens ainsi un homme béni. Côté homme comme femme. On laisse ce côté d'abord. Okay. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire. Je sais que nous avons vu Matthieu chapitre 27. On va se rappeler là où Jésus-Christ est venu mourir à notre place. Et son vêtement qu'il a porté, on lui a ôté cela. Et lui a donné un vêtement écarlate. Et ils ont fait une couronne avec une épine et les épines, ils l'ont placée sur la tête. Il retirait le roseau de sa main et il frappait sur la couronne d'épines sur sa tête. Adam et Eva ont et les épines là qui constituent la malédiction et qui est sortie du fait que Adam et Ève ont mangé le fruit là, c'est ce qui est venu percer la tête de Jésus-Christ. C'est quelque chose, toute cette parole là, mon frère, ma soeur. Mais n'aie pas peur, nous allons y revenir. Il y a beaucoup de choses très importantes que nous allons voir là-bas. Nous atteignons un certain seuil. Et nous voyons quelque chose. Ce qui s'est passé quand Jésus a envoyé deux personnes pour aller espionner sur la terre cananéenne. Et nous avons vu Rahab. Bien-aimé, il ne faut pas oublier ces paroles, je t'en prie. Ce sont des paroles très importantes. Nous allons retourner là où nous sommes arrêtés le dimanche. Et continuer à partir de là. Parce qu'il y a des choses importantes à voir là-bas. Josué chapitre 2. Et nous avons, l'autre dimanche, nous avons presque tout parcouru. Nous l'avons concassé. Nous avons commencé par développer le dimanche passé. Et nous sommes arrêtés sur le 16e verset. Alors nous allons commencer la lecture par là. Ne magadogomi o.
de afima nkeke ton va se de esime nya yomati la atro emebe hafi nya le mia pemo. Le 16e verset dit: elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. C'est que tu t'es rappelé la façon dont les choses ont commencé. Je sais que tu te rappelles de qui est Rahab. Bolo. Une prostituée. Mais cette prostituée, est-ce qu'elle que nous voyons qu'elle est en train de manifester quelque chose et qui est la volonté de Dieu? Frères et sœurs, cette prostituée a dit aux deux espions, ainsi même, je l'ai mis à nous là. En vous faisant sortir par ma fenêtre, allez sur les montagnes et cachez-vous là-bas pendant 3 jours afin que ceux qui vous poursuivent ne vous trouvent plus. Parce que sérieusement, ils vous cherchent. Après 3 jours, ils seront déjà de retour. Alors, vous pourriez poursuivre votre chemin. Bien-aimé en Christ, Rahab la prostituée, elle a dit ceci aux envoyés de l'Éternel. Si tu étais à la place de ces envoyés, mettras-tu en pratique ces paroles-là? Nous atteignons maintenant un niveau très important, mon frère, ma soeur. Tu viens bien sûr à l'église. On te prêche la parole de Dieu. La question est, est-ce que tu la mets en pratique? Ou bien que je repose autrement la question. Lesquelles parmi ces paroles tu mets en pratique? Et tu tries cela? Et tu prends ce que tu veux et faire et appliquer cela? Frères et sœurs, nous atteignons un niveau important. Rahab a sorti cette parole à ces deux hommes, les hommes que Jésus a envoyés, ceux qui viennent de l'Éternel, et ceux qui pratiquent le dessein ou bien l'ordre de l'Éternel. C'est à eux que Rahab a fait sortir cette parole. Allez sur les montagnes. Cachez-vous là-bas 3 jours durant. Ne sortez pas et pour aller ailleurs. Jusqu'à ce que les 3 jours ne passent. Parce qu'on vous cherche sérieusement. Le dimanche passé, je te l'avais dit. En vérité, le coronavirus te cherche sérieusement. Et nous voyons maintenant à ce moment-là, Variant Delta, cherche le genre humain pour les détruire complètement. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Nous allons continuer. Le 17e verset maintenant. Atamsi ne namie kanaola ado le miaji. Le 17e verset. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Écoute bien. Le Rahab. Il y a une conversation qui continue entre Rahab et les deux hommes. Nous t'avons fait des parjures, des serments. Et parce que tu as dit que tu nous as fait grâce, alors que nous aussi nous te faisons grâce,
Afin que tous les membres de ta famille, tes parents et tes amis et tes frères ne soient point détruits. Ok. Nous sommes d'accord. Mais le serment que nous avons fait, nous serons quittes de cela. Le 18e verset. Le 18e verset dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordeau de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Écoute bien et comprends la parole. Les hommes disent arabes, en ce jour, nous et toi, nous entrons dans une alliance spéciale. Parce que tout ce que tu nous auras dit, nous allons l'appliquer. Alors tout ce que nous aussi nous allons te dire, toi aussi applique-le. Pour cela, le sermon que nous avons fait, et nous serons quittes de cela. Et si tu ne pratiques pas ce que nous allons te dire, premièrement, notre affaire c'est la fenêtre par laquelle tu nous as descendu. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens ne savent pas que servir Dieu, c'est de rester dans les préceptes et dans les lois. Frères et sœurs, nous battons. Premièrement, fils ne dit demi-tonne. Là où tu nous as fait descendre, acho ekaji dada. Le na chide flesse à nous. Tu mettras un fil cramoisi à cette fenêtre là. C'est d'histoire fiable et d'agacé. Lokio. Ce qui démontre que et tu as fait un signe sur toi. D'autonnier. Écoute bien. Jésus-Christ. Et quand on a ôté ses vêtements, on lui a fait porter un manteau et cramoisi ou bien écarlate. Ce qui démontre que c'est ça le signe de marque. Quiconque deviendra l'enfant de Jésus-Christ, il faut que le signe du sang de Jésus soit sur lui. Écoute bien. Écoute-moi bien, je t'en prie. Il y a une chose et qui fait que le signe du sang ne soit pas sur la personne. C'est la pratique du péché. Et c'est la transgression de la loi. Si tu transgresses la loi, cela est effacé immédiatement. Ok. Tiens ça. Nous allons y revenir. Les deux hommes disent à Rahab, le premier point, et que tu mettes le fil cramoisi à la fenêtre. Deuxième chose, c'est c'est d'amener et dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et sœurs et tous les membres de ta famille. Je t'en prie, écoute bien les paroles. Frères et sœurs, ils lui ont dit,
nava dade wa femme. Ramène-les dans ta maison. Novinha. Mon frère, ma sœur. Depuis le début du coronavirus, je te l'avais dit qu'il n'y aura pas culte. Demeure dans ta maison et permets à ce que ta maison devienne la maison de Dieu. Je te l'avais dit ici. Et tu diras, qu'est-ce que c'est? Les gens vont à l'église. Et alors? Écoute bien. Mon frère, ma soeur. Le 24 novembre 2019. Le 24 novembre 2019. 24 novembre 2019. Le 24 novembre 2019. Novembre. Le tuyau de Kélia. Le 24 novembre. En 2019. Et il y a mal. Et c'est en ce jour-là que Dieu m'a donné cette parole d'annoncer au monde entier que une maladie vient dans le monde. Il restait 3 mois. Et cela atteindra 2 ans. Parce que déjà nous allons vers septembre. Octobre, novembre. Et septembre, octobre, novembre. Okay. Alors, maintenant, le monde entier, écoute-moi bien, dans le monde entier, quelle est cette église? Où? Quel est le pasteur? Quelle est la femme? Quel est cet homme? À qui Dieu a donné cette parole de maladie et il a dit, avant que cette maladie ne commence, le monde entier, aucun scientifique ne le savait, que la maladie vient, il ne savait pas. Le 24 novembre 2019. Et il y a 1er décembre 2019. Et le 1er décembre 2019, après une semaine, je l'ai répété. Et aujourd'hui, le message de ce dimanche-là sera passé sur la radio. Je te pose une question. Dieu m'a donné la parole et je te l'ai amené. Une maladie qui vient dans le monde. Décembre. À la fin de décembre, nous l'avons commencé par entendre de cela en Chine. Peu à peu, le monde entier est atteint. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite affaire. Combien de gens sont déjà enterrés? Ce n'est pas une petite chose. Frères et sœurs, une nouvelle vie, que je te dis, et il n'y aura pas culte. Et tu vas rester à la maison. Et parce que les églises se rencontrent. Et tu dis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne va pas les laisser venir à l'église? Alors d'autres vont à l'église, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ceux-là que Dieu a vu avant de te permettre d'écouter ceci le 24 novembre? Que les gens veulent aller à l'église, qu'ils aillent.
Ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je suis en train de te transmettre. Et je te dis, et le moment où nous allons revenir à l'église, Dieu me le dira et je te le transmettrai. Et d'autres disent ailleurs que la nouvelle vie, c'est le gouvernement qui a empêché la nouvelle vie de fonctionner. Il ne faut pas mentir dans le compte du gouvernement. Le gouvernement n'a pas arrêté nouvelle vie de venir à l'église. Non. Arrête ce comportement, cette mode de vie. Ne tiens pas ces propos-là. Parce que Dieu te jugera à cause de cela quand tu es en train de mentir. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu a dit que nous sommes en train de faire. Frères et sœurs, celui qui veut marcher avec l'Éternel, qui se prépare. Ceci n'est pas une petite affaire. Les deux hommes disent à Rahab, tu amèneras dans ta maison ton père, ta mère et tes enfants et tes frères et sœurs. Je t'ai dit de transformer ta maison en maison de Dieu. Tu ne l'as pas compris. C'est pour cela que tu te dis que oh, là où vont les gens vont à l'église, que moi aussi j'aille là-bas en attendant. Sais-tu pourquoi l'Éternel te demande de transformer ta maison en sa maison? Sais-tu ce que l'Éternel veut venir faire dans ta maison? Donc, Abraham dit. Rappelle-toi d'Abraham. Frères et sœurs, n'écoute pas seulement ces paroles en l'air. Parce que ces paroles-là ne sont pas des moindres. Écoute bien. Oui. Oui. Oui, à Shekelia. Écoute bien. Ne amade do le wokom de Kekela et kama epofu chi eyanto votaji. Aye. Ne defende ke o. Kene amade le go le wokom. Hafi amade wananela. Le 19e verset dit, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang tombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang tombera sur notre tête. Les deux hommes ont dit à Rahab, quand tu auras ramené tes parents et tous tes frères et sœurs dans ta maison, protection, il y aura une protection sur eux. Dieu les gardera. Aucun mal ne les atteindra. Quand un mal va les atteindre, le châtiment de ce mal tombera sur eux, les deux espions. Écoute bien. Ils lui ont dit, et si quelqu'un sort de ta maison, l'un de tes frères ou sœurs sort de ta maison et qu'il a un problème, son sang retombera sur sa tête à lui. Veux-tu être serviteur de Dieu? Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Je te pose la question. Ne pense pas que servir Dieu, c'est de l'amusement.
Non, jamais. Alors que qu'est-ce la chose difficile qu'on demande d'eux? Non. Qu'est-ce que, qui est difficile que Dieu demande de toi? Non. Transforme ta maison en maison de Dieu. Et tu dis que tu es fatigué de ça. Et moi, je vais rester à la maison jusqu'à la nuit, qu'est-ce que c'est? Et au moins, on fait des cultes ici, que j'y aille. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Frères et sœurs, si quelqu'un sort de la maison, cela démontre que il s'est rebellé contre la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Il est en train de dire, laisse tout tomber. Qu'est-ce que c'est même? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que moi je vais rester sur place ainsi? Laissez-moi tranquille, moi. Tu connais-tu l'Éternel? Connais-tu qui il est? Fais ce que tu veux faire. Le monde entier demande aux gens partout, est-ce qu'ils ont appris ceci avant que cela ne se passe? Non. Et quand l'Éternel fait sortir à révéler cette parole avec ce qu'il a ajouté, est-ce qu'on ne doit pas l'appliquer? Tu dois savoir que c'est l'Éternel seul qui peut te sauver. Rahab a dit, ceux qui vous cherchent, ils font tout pour vous attraper. Tu dois savoir que coronavirus passe par tous les moyens pour t'attraper. C'est pour cela qu'il se varie vraiment en plusieurs manières. Il veut t'attraper. L'Arabe a dit, cachez-vous. Cachez-vous parmi les montagnes. C'est pour cela que dimanche, je te l'ai dit. Porte le masque. Cache-toi. Cache-toi, mon frère, ma soeur. Le coronavirus veut te tuer et te détruire. Seulement l'Éternel peut te sauver. Que cela te soit clair. Ils ont dit à Rahab, si quelqu'un sort de la maison, il a transgressé la loi, tout peut lui arriver. Bien aimé, nous allons continuer. Le 20e verset. Et le 20e verset dit, et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Nous sommes déjà venus chez toi et tu nous as parlé. Nous acceptons les appliquer. Nous acceptons aller nous cacher dans la forêt, le tout parmi les montagnes. Jusqu'à ce que ceux qui nous cherchent ne nous retrouvent pas et qu'ils reviennent. Nous sommes d'accord. Si tu dis ceci, et si tu divulgues ceci, alors il faut savoir que le serment que nous avons fait est quitte notre tête. Nous sommes quittes de cela. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Je te le dis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne font que chercher ce qu'ils vont recevoir de Dieu. Tout ce qu'on a dit de respecter, eux, ils ne le veulent pas. Ils font seulement ce qui les plaît.
Il est temps maintenant. Abandonne ce façon de vivre. C'est ce mode de vie, il faut l'abandonner. Tu ne sais pas quand est-ce que l'enlèvement va commencer. Quand les gens seront enlevés au ciel, tu ne sais pas. Ce qui se passe, tu ne sais pas. Et tu dis quoi? Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair. Il y a un temps qui est révolu. Moi, on m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour amener le message au monde entier. Je ne fais que faire mon travail. Que cela te soit bien clair. Le 21e verset. Le 21e verset dit, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Après que les hommes ont parlé à Rahab, Rahab a dit, ainsi soit-il. Alléluia. Oh, praise the Lord. Ainsi soit-il. Toi aussi, tu peux dire, ainsi soit-il. Tu as déjà dit ainsi soit-il avant de poser ses pas. Et tu as dit ainsi soit-il avant de tenir ses propos. Tu as dit ainsi soit-il avant de fréquenter encore ces endroits-là. Rahab. Elle a dit ainsi soit-il. Quoi? Si nous revenons à Rahab, nous allons découvrir encore des choses très importantes. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est quelque chose. Dieu est en train de te prouver, tu ne sais pas. Et utilise ce temps et demeure dans ta maison. Et que ta maison, ta chambre devienne maintenant la maison de Dieu. Ta maison. Qu'est-ce qu'elle était avant? Quand tu viens à l'église et que tu dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis un chrétien, je suis un chrétien. Et quand tu vas dans ta chambre et que tu te caches là-bas, d'autres pratiquent la perversité, les choses incompréhensibles. L'Éternel dit que ces choses-là ne se passent plus dans ta maison. Ta maison, qu'elle devienne sa maison à lui. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Servir Dieu, ce n'est pas de voir comment les gens le font, ce n'est pas ça le problème, non. Non. Est-ce que tu as laissé ton cœur à l'Éternel des armées? Est-ce cela la parole de Dieu a dit? Rahab a dit. Ainsi soit-il. Quand elle a dit cela, elle a descendu les deux jeunes hommes. Après les avoir descendus, ils sont partis. La première chose que Rahab a fait, la première loi qu'on lui a dite, le premier recommandement qu'on lui a donné, c'est qu'elle a mis le cordon cramoisi sur la fenêtre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ.
table. Ne te laisse pas tromper par quelque chose. On séduit les gens. Et pour balayer avec le balai. Le sale, sale mensonge. Le méchant, méchant mensonge. Il détruise ainsi la vie des gens. Qui s'arrête vite. Ce qui arrive, tu ne pourras pas supporter cela. Tu ne pourras pas le supporter. L'Éternel ne s'amuse pas avec lui. Non. Et quand ils ont dit qu'ils ont balayé le coronavirus, combien ils ont pu balayer? Quand cela arrive autant, ils trompent les gens. Et ils tuent les serpents, ils mettent le mouchoir dans le sang et ils le vendent aux gens. Ceux qui achètent ces pareils mouchoirs sont des hommes animés de folie. La méconnaissance détruit leur vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite chose. Rahab. Rahab. Ainsi soit-il. Elle a mis le cordon de cramoisi à la fenêtre. Et l'Éternel voit tout cela. Immédiatement. Le 22e verset dit quoi? Le mot plus beau la katanji, kake, umkpo. Le 22e verset. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent partout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Mon frère, ma soeur, vois-tu tout ce qui se passe? Rahab, accompli sa tâche. Après avoir libéré les 2 hommes, ils sont partis. Eux aussi, ils ont appliqué ce que Rahab leur a dit. Ils l'ont appliqué correctement. Ils n'ont pas couru dans les rues. Ils ne sont pas allés ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Éternel qui nous a menés ici. C'est lui qui nous reconduira encore au pays. Qu'est-ce que Rahab dit? Est-ce que Rahab sait celui qu'on appelle Éternel des armées? Éternel des armées. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Oui. Et quand nous voulons venir, immédiatement, le vent va les emporter. Tu as menti, oui. Tu as menti. Rahab. Ce que Rahab leur a dit, ils l'ont mis en pratique. Tu viens bien sûr à l'église, mon frère, ma soeur. Quelles sont les paroles que tu pratiques et lesquelles tu ne pratiques pas? Il est temps maintenant à ce que tu entres dans ton cœur et que tu sondes bien ton cœur. Ce n'est pas une petite affaire, ceci. Et les 2 jeunes hommes, ils ont fui et allé entre parmi les montagnes. Ils se sont cachés là-bas. 3 jours durant. Et la Bible dit, ceux qui les cherchaient vraiment sérieusement. Rien n'a arrêté ceux qui les poursuivaient. Ils ne continuaient pas à les chercher. Coronavirus te cherche, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Coronavirus te cherche. Il te cherche sérieusement. Cache-toi. Cache-toi. La Bible dit, ils les ont cherchés. Ils ne les ont pas retrouvés. Ils les ont cherchés avec les yeux rouges. Ils ne les ont pas trouvés.
Et ceux qui les poursuivaient sont revenus sur la terre de Canaan. Hey! Le 23e verset. Le 23e verset dit, les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent au père de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Mon frère, ma soeur, les deux hommes, ils ont mis en pratique ce que Rahab leur a dit. Jusqu'à la fin des trois jours. Seulement que Dieu ne m'a pas permis à ce que je te dise. Coronavirus. Les jours qui restent pour coronavirus. Il ne me l'a pas permis. Pour cela, je ne pourrais pas le dire. Je suis en train de comprendre cela. Mais voilà, l'affaire. Je te comprends. Que cela te soit bien clair. L'Éternel est en train de faire un travail bien précis. Et les deux jeunes hommes, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont partis vers Josué. Le 24e verset dit, ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Quand ils sont partis, ils ont tout raconté à Josué. La façon dont toutes les choses sont déroulées. Ils ont dit à Josué, effectivement, l'Éternel nous a livré ce pays. Même les habitants du pays tremblent devant nous. Frères et sœurs, le monde nous craint. Écoute bien, tu vas écouter quelque chose. Les habitants du pays craignent les enfants d'Israël. Pourtant, ils ont envoyé les gens pour poursuivre ceux qu'ils ont envoyés comme espions. Mais il faut comprendre que le monde entier craint les enfants de Dieu. Mais il faut savoir aussi que ils ont envoyé coronavirus pour les persécuter. Que cela te soit clair. Prends soin de ta personne. Le monde appartient à qui? Le monde appartient à l'Éternel. Mais et tout continue comme cela continuait avant. Les enfants de Dieu, cachez-vous. Il est temps déjà. Cache-toi. Mets en pratique la parole de Dieu. Que je t'emmène quelque part. Exode, le chapitre 23. Nous avons quelque chose d'important là-bas. Moi, pas que je lire. Exode, table à votre le chapitre 23. À partir du 20e verset. Écoute-moi bien. Bana,
le mota et waklowo avatepsi mejado di naola. Le 20e verset de Exode chapitre 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Navio, frères et sœurs, Yahoua Bogboulom, il tenait en train de dire na Israël, Yobana, aux enfants d'Israël qu'il a envoyé ses anges devant eux pour les conduire à les protégeant jusqu'à arriver à l'endroit qu'il a préparé pour eux, et qui est la terre cananéenne. C'est très bien. C'est ce que l'Éternel est en train de dire à tout le monde dans le monde entier. Nous devons savoir que le temps est déjà proche. Le royaume de l'Éternel dont il a parlé, que c'est ce qui viendra dans le monde. Il est déjà temps que le royaume vienne. Que Jésus règne 1000 ans. Écoute bien. Alors, le Père a dit, voici, j'ai envoyé un ange devant toi. Et Dieu a envoyé son ange devant tout un chacun de nous. Écoute bien. L'ange de Dieu est devant toi pour te conduire, pour te protéger et pour te protéger en te conduisant le mota le mota en chemin. Il te conduira, il te protégera. Nous sommes en train de faire cette voyage. Nous sommes en train de faire un voyage spécial. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas un petit voyage. Le chemin est là et la porte est spacieuse. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, celui qui les a conduits dans l'enfer. Mais le chemin est étroit et la porte aussi est étroite et les petits, petits nombres qui sont là-dessus. Il est conduit dans la vie éternelle. Sur quelle voie se trouves-tu? Je t'en prie. Sur quelle voie te trouves-tu? Alors il nous dit qu'il a envoyé son ange pour être devant nous et nous protéger et dans ce voyage. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Et nous conduit jusque là où l'Éternel a préparé pour nous. Nous entrons dans ce moment-là. L'ange de Dieu est venu chez toi à la maison. Parce que tu as transformé ta maison en la maison de Dieu. Il sera avec toi. Et quand tu vas te réveiller, il va te conduire partout où tu iras. Mais dès que tu pratiques le mal, la chose est détruite. Viens voir le 21e verset. Il dit, tiens-toi sur tes gardes. Cet ange-là, on ne s'amuse pas avec lui. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Premièrement, tiens-toi sur ta garde en sa présence et écoute sa voix. Ce qui te dira, applique-le. Le pas qui te demandera de poser, pose-le. Transforme ta maison en maison de Dieu, applique-le. Pour le moment, il n'y a pas de culte, accepte et applique. Et prends garde en cela. Ne lui résiste point. Ne résiste pas. Oh, je suis fatigué, moi. Et tu périras. Ne résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui.
Il ne te pardonnera pas tes péchés. Car l'Éternel dit qu'il y a son nom en lui. Nous arrivons quelque part, frères et sœurs. Arrête de répéter chaque moment que la grâce, la grâce, la grâce. Arrête. Et frères et sœurs, la chose atteint un certain niveau. Que cela te soit clair. Ce dernier voyage pour entrer dans le royaume, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire ceci. Que lui ne pardonne pas le péché. Quand tu pèches contre lui, c'est fini. Ok. L'Éternel a dit. Et qui porte son nom en lui. Il ne va jamais pardonner les péchés. L'ange qui nous conduit. Dans le monde, à ce moment de la fin, le voilà. C'est ainsi qu'il est. Mais, je vais te conduire dans Matthieu et nous allons bien comprendre cela. Mon frère, ma soeur, viens voir. Matthieu chapitre 12. La Bible dit, le 30e verset. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Écoute bien cette parole, sort de la bouche de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec moi. Tout ce que j'ai dit et quiconque ne pratique pas cela, il n'est pas avec moi. Il dispersera. Ce qui veut dire qu'il est contre lui. Okay. 31e verset. Le 31e verset dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Comprends-tu ceci? Jésus-Christ est en train de dire, on peut blasphémer contre lui, Jésus. Et qu'est-ce que c'est? Tu peux le dire. Mais fais attention. Jésus nous a dit, en partant, le Saint-Esprit sera avec nous et nous conduire jusqu'à dans le royaume. Mais lui pardonne pas le péché. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un niveau donné. Ne t'amuse pas avec ceci. Il a dit, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Qu'est-ce que c'est que le blasphème? C'est l'un de ceux-là, c'est de, quand on te dit de transformer ta maison à ce que devienne la maison de Dieu, mais tu as refusé de le faire. Un blasphème a entré dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne va pas glaner dans un autre champ. Mais tu es parti pourtant. Et les paroles de blasphème sont sorties dans ta vie alors. Je t'en supplie. Le 32e verset. Le 32e verset dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme,
il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vois-tu que ce que nous voyons ici maintenant est égal à ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël avant d'aller sur la terre cananéenne? Je t'en prie, ne t'amuse pas avec ceci. Ne suis pas le monde. Parce que les gens crient que oui, nous sommes des prophètes, nous sommes telle personne, alors c'est ça, non. Ce qu'ils disent, est-ce que cela est comparable à la parole de Dieu? Si cela n'est pas comparable à la parole de Dieu, alors rejette cela. Mon frère, ma soeur, pratique la parole de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, on peut lui pardonner. Ça, c'est de cette grâce dont on parle. Nous sommes sauvés par la grâce, car Jésus est mort et moi j'ai trouvé la vie. Effectivement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est bien, oui. Mais il faut reconnaître que le dernier voyage pour entrer dans le royaume éternel, l'ange qui va te conduire, lui ne connaît pas la grâce. Il ne pardonne pas le péché. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Que cela te soit bien clair. Et quand tu violes ces lois, tu es détruit. Et dans ce monde, il ne pardonnera pas le péché. Ou bien dans le siècle à venir. Esaïe 63. Le 9e et 10e verset. Esaïe 63. Ce n'est pas une petite affaire. Viens voir. Il dit, le 9e verset. Si vous avez le 9e verset d'Ésaïe 63. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. On va examiner bien ceci, voir. Dans toute leur détresse, dans le voyage, les enfants de Dieu, beaucoup de choses vont leur arriver. Ils seront environnés par beaucoup de mauvais événements. C'est ainsi que cela est arrivé dans les enfants d'Israël. En les environner. Ils seront tous dans la détresse. Le malheur va t'atteindre. Les mauvais événements viendront sur toi. Et la parole dit, l'ange de Dieu était devant eux. Et il les gardait. Et il les portait. Et c'est l'Éternel même qui se manifeste en cet ange. Les a gardés, protégés. Et cet ange les a secourus. Il les garde.
Que le problème soit dû n'importe comment. Que l'événement fâcheux vienne n'importe comment. Que le mal se produise n'importe comment. Que le mal ou bien le malheur vienne n'importe comment. Que la disette vienne n'importe comment. Dans la main. Ce temps en qui l'Éternel se manifeste, il est devant les enfants de Dieu, il est devant toi, il est avec toi dans ta maison, il est avec toi dans ta cuisine, dans ta chambre, il est avec toi, il va t'aider, il te secourra, il te portera. Et il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il rachète toujours l'homme. Quel que soit ce qui se passe, il va te racheter. Et dans ta vie de couple, il te sauvera. Dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, il va te sauver. En toutes choses, il va te sauver. Continuons maintenant. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Il les a portés. Il était avec eux, il les a soutenus. En tous ces anciens jours. C'est ce qu'on a fait aux enfants d'Israël. Et il les protégeait sur toutes les voies. Et que, si l'ennemi vient, qu'est-ce que c'est que l'ennemi? L'ennemi peut être vraiment fort et il sera complètement saccagé. Le dixième verset maintenant. Mais ils ont été rebelles. Les enfants d'Israël étaient rebelles. Ils sont rebellés contre l'ange de Dieu. Et ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Comprends-tu ceci, mon frère, ma soeur? Et ce qui est passé au temps des enfants d'Israël. Et nous sommes en train de comparer avec ce qui se passe actuellement. C'est la même chose. C'est la même chose. Frères et sœurs, Jésus-Christ, il n'est pas avec nous charnellement ainsi, physiquement, mais spirituellement, il est avec nous. Si tu l'invoques, il va nous répondre oui. Mais il nous a dit, le Saint-Esprit qui est avec nous, il sera avec nous et pour nous garder, nous protéger. Mais prends garde. Il ne lui pardonne pas le péché. C'est lui qui nous conduira jusqu'à ce que nous arrivions dans le royaume éternel. Frères et sœurs, dans leur voyage, les enfants d'Israël ont subi beaucoup de choses. À certains endroits, le voyage était tellement difficile. Mais l'ange de l'Éternel qui était avec eux a ôté immédiatement l'ennemi, les a saccagés immédiatement. Et la Bible dit, mais ils ont attristé l'Esprit Saint de Dieu. Ils sont rebellés contre lui. Comment ils sont rebellés? Ce qu'il leur a demandé de faire, ils ont refusé de le faire. Quoi? La chose est gâtée. La chose est gâtée. La Bible dit, laisse Yatala. Atrozo. Et il est devenu leur ennemi. Si l'ange de Dieu devient ton ennemi, celui que Dieu a envoyé pour te garder, et que lui devient ton ennemi, que pourras-tu faire? Écoute bien. Et il a combattu contre eux. Lui-même a combattu contre eux. Ce qui se passe actuellement.
le Saint-Esprit combat beaucoup de gens qui s'appellent enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebellés contre lui. Et ils ont violé ses lois. Ils agissent n'importe comment. Ils font de mauvais actes. Frères et sœurs, je te reconduis dans Exode. Le chapitre 23. Il est presque l'heure même. Oh là là. On va voir une chose. Frères et sœurs, cette affaire, ce n'est pas une simple affaire. Le 22e verset. Eh bien, ne adopte pas effet. Ayez, ne voyons sur Kata, Maglonaola, et que ma le fou au Kato. Le 22e verset dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Aye madé. Madé tout de à monsieur Khaoudo. Ya. Écoute bien ce que dit la Bible. Nous allons relire ça une fois. Voilà le champ d'action de l'ange de Dieu. Voilà le Saint-Esprit qui agit dans ce moment-là. Qui est dans ta maison, dans ton service, dans ton marché, dans la rue, dans la voiture, dans l'avion, et dans le bateau, et sur le vélo, sur la moto, partout tu es, le Saint-Esprit est là-bas. Écoute bien. Il dit, le 22e verset, mais si tu écoutes sa voix, tout ce qu'il te dira, tu l'appliques. Et si tu fais tout ce que je te dirai, tout ce qu'on te dira dans la parole de Dieu, et que tu l'aies fait, alors je serai l'ennemi de tes ennemis. Tu auras les ennemis, bien sûr. Les ennemis vont se multiplier dans ta vie. Et côté droit comme côté gauche. Et devant et derrière. L'Éternel dit qu'il va les haïr tous. En marchant vers toi, il viendra les rencontrer. Que dites-vous? Que faites-vous? Contre qui vous êtes levé? Est-ce que vous connaissez ce jeune homme-là? Connaissez-vous cette jeune fille? Connaissez-vous cet enfant? Connaissez-vous cet homme? Connaissez-vous cette femme? C'est mon nom. Faites attention. Mon frère, ma soeur, voici. Dieu est en train de te dire quelque chose aujourd'hui. Et que si tu appliques ces paroles, tout ce qu'il te dit et que tu le fais correctement, il haïra tous tes ennemis. Frères et sœurs, si les ennemis se multiplient, tu verras la puissance de l'Éternel. Et je serai l'adversaire de tes adversaires. Tout ce qui t'environne, moi aussi je vais les environner. Voilà le Saint-Esprit qui sera leur adversaire. Quelqu'un veut te détruire. Quelqu'un veut t'anéantir. Il approche. Jusqu'à ce qu'il veut t'attendre. Le Saint-Esprit va l'environner immédiatement. Que fais-tu? Jusqu'à ce que tu le voies. Ils seront complètement anéantis. Ce n'est pas une petite chose, frères et sœurs. Mais on ne peut plus continuer à cause du temps. Et en revenant ici dimanche, nous allons continuer par ici. Ici, là, il y a une petite chose ici. Le Saint-Esprit. Mais, frères et sœurs, fais attention. Il ne pardonne pas le péché. Non.
Si tu te rebelles contre lui et que tu n'appliques pas sa parole, il devient ton ennemi. Frères et sœurs, le Père ne va même pas brancher. Jésus ne branchera pas. Jamais. Voilà. Voilà ainsi se présente la chose. Le Père ne va pas brancher. S'il devient ton ennemi, le Père ne dira rien. Jésus ne dira rien. Non. Que ce péché-là, on te le pardonnera pas dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce qui veut dire que le sang de Jésus ne peut plus te sauver. Non. Soit dans ce monde ou bien le monde à venir. Que cela te soit clair. C'est pour cela que nous lisons les deux côtés. Pas seulement que chez les enfants d'Israël que cela se passe. Cela arrive aussi chez nous. À notre moment actuellement. Frères et sœurs, il est temps. Mets-toi debout. Et nous allons prier. J'ai envoyé ton ange. Le Saint-Esprit me garde. Je l'ai compris. Je ne pardonne pas le péché. Il n'y a rien que lui va pardonner dans ce siècle. Ni dans le siècle à venir. Pour cela, Père, je me répands complètement. Toute mauvaise chose. Toute chose vile. Toutes les choses incompréhensibles. Je le rejette complètement aujourd'hui. Je n'y demeurerai plus. Père, que je marche dans ta puissance. Que je marche dans ta volonté. Que j'applique ta parole. Et que je mette en pratique ta parole. Et que je mette en pratique la parole de Dieu. Quelle que soit la façon dont la parole se présente, je la mettrai en pratique. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Merci à toi aujourd'hui. La parole est accomplie dans ma vie. Pas d'aujourd'hui. Satan ne me trouvera plus. Oh démon. Et sorcellerie et la magie. Je les saccage aujourd'hui. Je les détruis complètement. Je les fous au pied. Le Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Le serpent a été décapité. Ce serpent méchant, sa tête a été coupée. À partir d'aujourd'hui, tous ces venins sont détruits. Le sang de Jésus m'a lavé parce que je ne pratiquerai plus le péché. Parce que le Saint-Esprit ne pardonne pas le péché. Pour cela, je marcherai avec le Saint-Esprit. Il est avec moi. Il gardera.
Satala. Et tous mes ennemis. Apoclado. Il les environnera. Le four. Il les haïra. Cacao. Il les détruira. Il les ôtera devant moi. Il les ôtera à côté de moi. Il les ôtera derrière moi. Le Yesu Christophe Gamba. Nous connaissons le miracle. C'est produit dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. La chose a changé. Dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. Oh Père, nous t'invoquons. Nous avons écouté ta parole. La parole a agi dans notre cœur. Une nouvelle chose s'est produite dans notre vie. Et nous avons compris que le Saint-Esprit ne pardonne pas le péché. Pour cela, nous n'allons pas pratiquer le péché. Nous sommes dans le programme spécial de Dieu. Et la bénédiction de Dieu repose sur nous. Et toutes sortes d'ennemis se lèvera contre nous. Ils sont dispersés. Le Saint-Esprit va les environner. Le Saint-Esprit les a saccagés. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la présence de Dieu, sa puissance, ta protection sera avec toi de maintenant jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons chanter cette chanson et nous dire au revoir. Prends soin de ta personne. Il y a quelqu'un avec toi. C'est l'ange de Dieu. Ne pardonne pas le péché. Alors arrête de pratiquer le péché. Arrête de pratiquer le péché, mon frère, ma soeur. Abandonne complètement le péché. Dans le nom de Jésus. Metale zabli bolaka atame nyamako nanekeo dakele onyanula madedowo aseyecho aonedia apetonya madiba madidowo apetonya madiba madidowo dakele onyanula ma Frère, porte-toi bien. La banane kiolo. Ta personne. Bodo kio bolo. Bien, prends garde ta personne. Oui. N'oublie pas. Yahuwah dola. L'ange de Dieu. Ne pardonne pas le péché. Il sera avec toi. Il te gardera. Tes ennemis. Apokla. Il va les environner. Il les détruit complètement. Toi. Tu seras libre. Porte-toi bien. Bye 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 bye. Au revoir. Amen. Amen. Mi cara un tirana con mi traio.